Après gros décision, agent BLTS se te prend pour camper travail, pour exiger libération, frère Zamio, DCPJ te arrêté, qui c'est Ronald Docteur. Ak révocation, CP Pierre Pascal Volsi, nan tête unité A. Yo dit qui livre policier Ronald Docteur by DCPJ. Eh bien, finalement, yo libéré agent BLTS là, qui c'est Ronald Docteur, après DCPJ te fin auditionnel. Yo te accusé Ronald Docteur comme moun qui te aidé frère Johnny Docteur sauvé, qui te payé à la, nous connaît frère Ronald Docteur, non cité dans dossier cargaison d'armes ak bal l'église épiscopale d'Haïti. Johnny Docteur, non misé cité à fond, non dossier d'armes. L'église bon Dieu, l'église épiscopale d'Haïti, t'est rentré dans douane Port-au-Prince. Nan. Yo arrêté agent BLTS comme moun qui t'a fait tout, qui t'a utilisé gros stratégie pour aider frère là qui t'est pays d'Haïti. La police t'a arrêté Ronald Docteur jeudi dernier là, frère Zamnio t'est estomaqué, yo fâché koukong, yo prend une gros décision. Pour camper travail, les responsables ont fait ça, ils ont rapide vite couru à auditionner Ronald pour connaître qui se bagarre. Est-ce qu'elle était impliquée? Non, non, aider frère sauver qui était pays pour connaître qui ça a fait, pour connaître qui décision a pris contre Ronald. Parce que si policiers BLTS camper travail, ils pral prend plaisir, il y a plus monde qui va prendre plaisir là. Passer avec drogue dans aéroport yo laisse ça yo pa ka kibe moun sa yo encore parce que nous tout connaissons ces agents BLTS yo qui spécialisé yo nan causer si la. Imagine pendant ti temps ça là agent BLTS yo font ti camp travail est-ce qu'on ki quantité drogue avec zam qui passait dans pays d'Haïti? Non, parce que nous connaissons BLTS yo gen chien qui spécialisé pour ça et puis tout yo même yo gen tactique yo utilisé si on moun pote drogue sous li, y a connait moun sa gen drogue yo pote sous li. Il est sorti yo te font camp de travail à cause yo te arrêté Ronald Docteur parce que yo dit frère là qui c'est Johnny Docteur li impliqué à fond dans dossier Zam Akbal l'épiscopal d'Haïti, mi se pa nan peyi a, mi se chapé pour li likite pe d'Haïti et yo loje tout dwet li, yo loje tout dwet 17 longue sou Ronald Docteur qui son policier BLTS, yo di se mi se ki aide frèl ki te pe d'Haïti. Kounya la policier BLTS yo fâché et yo di se CP, dira di commissaire police Pierre Pascal Volsi qui livre Ronald Docteur by DCPJ. Yo mande pour ka révoke Pierre Pascal Volsi parce que c'est misé qui livre police si la. Vous connaissez qui j'ai bagarre dans pays d'Haïti. Je vous dis là pour police yo a campé travail à cause yo ta remarqué yo fait abi sous frère Damio yo arrêté yo accusé pour un bagage. Li pa même konnen pou bagay, li pa même au courant de li. Nan traversé nan pays Salvador. Président Nayib Bukele décide tracer yon gros exemple nan pays là qui c'est Salvador. Tout moun ap di si chaque pays nan monde là te gen yon Nayib Bukele la dan, li ta bon parce que après un an li fait ap goumen kont gang yo nan pays là. Président Nayib Bukele annonce yon lot bataille li pral lancer la contre gang avèk yo. Fwa sa, li pral combat korite ki genyen nan peyi la. Tande bien oui, wè sa, sa son président ki responsable k'ap pale la. Président Nayib Bukele di li pral lancer yon lot bataille contre korompi, contre tout nèg k'ap fè korite, korupsyon. Nan peyi a. Président di gen yon nouvo prison li pral konstwi pou mete korupte sa yo a pa. Nèg sa yo li va mete yo même kont avèk lòt moun. Nèg sa yo ap gen prison spesyal pou yo. Men peyi, men ak ki président,
Si chaque pays te gon président même j'avais Nayib Bukele, il t'a bon. Il t'a bon. Parce que monsieur a pensé là. Ouais, monsieur, il pas un petit président petit. Mais là nous monsieur son li gon petit physique, mais monsieur gon l'esprit éléphant. Capacité monsieur pour le travail, maturité monsieur, li gon maturité éléphant. Tellement monsieur a pensé pour pays là qui c'est Salvador. Li dit li pral construire une nouvelle prison pour ka mette corrupte sa yo, pour ka mette yo à bas. Tout nèg qui te mange l'argent pays Salvador qui nan l'état, tout nèg qui te détourne l'argent pays ya, tout nèg qui supporte gang nan pays ya, président Nayib Bukele pral marcher pran yo. Et ceci li commencer marcher pran nèg sa yo. Et nous te wè nan jout pas cela, président Nayib Bukele li maré tankou krab yon ancien président qui était dans confiolo avec gang qui t'a supporté gang dans pays Salvador. Et président Nayib Bukele fait déclaration ça, li fait l'elle t'a prend dans yon discours li te gagné là avec nation pour 4e année li gagné là sous pouvoir. Elle fait qu'on est année qu'a vini là ni ka di nan ane sa menm li pral lanse yon batay kont tout korite nan peyi Salvador. Et puis tout wala nou ki nan peyi d'Haïti yon ban vole aves, yon ban neg la ki se chat mimi miaou, yon ban korite ki nan PH, ni ka di ki nan PHTK. Nous avons ancien président Joseph Michel Matéli, nous avons premier ministre Laurent Salvador Lamotte, nous avons pile notre leg là encore sans pas citer nous nek sa yo, nous connaissons ça aussi volé. Nous avons président Aristide qui était dans gang, qui était dans confio avec gang, qui était créé gang pal. Nous avons président Préval malgré monsieur mouri, nous avons président Capli. Mes amis wo, nous avons nek sa yo qui dans pays là qui pas utile moun en rien. Nous avons Kaplim, nous avons quelque chose encore. Je ne sais pas si nous avons fait une exercice. Depuis que nous avons nous avons fait une. Nous avons un bon nègre dans le pays d'Haïti. Nous avons fait un corrupteur qui est là. Nous avons confié avec gang. Imaginez-vous, si le président Nayib Bukele était dans le pays d'Haïti, il a marié avec nous. Nous avons fait un gagoté. L'argent pétro caribé. Nous avons gaspillé le bottel. Tout l'argent. Nous avons mis dans le poche. Nous avons acheté une belle caille, belle machine. Bel appartement, avion, nek sa ou la, nek sa ou ta supposé tombe en bas code. Mais malheureusement, nous pa gen moun nan appareil justice la pou ta camper, pou ta poursuivre nek sa ou. Parce que même nek ki nan appareil justice la, nek sa ou se gang yo et tout. Nek sa ou nan korupte, nek sa ou nan konfiolo avec gang. Nou gen met au dossier ki te mini justice. Non mise si te a fou, non dossier zam ki ta pantre la. Dans l'église épiscopale d'Haïti. Imaginez-vous, est-ce que monsieur a combattu gang dans le pays d'Haïti? Non. Nèg sa yo intelligent. Mais ça c'est gang qui est. Et puis, nèg sa yo pas gang yo gang seulement non, yo criminel. Yo criminel on peut plus. Nèg sa met ensemble, yo touyer président Jovenel Moïse la Kaili. À cause président Jovenel Moïse te vinn pas vle prendre l'autre de nèg sa encore, Jovenel te dit ça pour peuple allié. Faut peuple ajon ti reste. Depuis l'essa, nego coupé fâché avec Jovenel Moïse à cause yo wè Jovenel traite yo, yo wè Jovenel pa vle soumettre avec yo. Jovenel a prôné tirer ça c'est pour peuple allié. Elle te dit nek sa ou pigayo rele nan téléphone, blier li mo téléphone yo. De wè nek sa ou met ensemble là, yo touye Jovenel Moïse à cause Jovenel te traite yo, à cause Jovenel te décidé ba peuple là tirer là après nek sa ou te fin gagoter tout l'argent nan pays d'Haïti. Kounya la, comme nous wè, gon juge la, ki dese balon kout me, comme nous wè la, nous wè juge Walter Voltaire, li commence tande en pile nèg nan dossier assassinat président Jovenel Moïse la. Avant la, li yo se tande, et nan se passe yo se tande, pis l'autre nèg la, yo tande yu la toti, yo tande gen, qu'est-ce que kon tu tande? Yo se tande la, et assassinat Don Kato, yo se tande Don Kato, et donc quand tu réponds avec invitation, tu t'entends de tout Nenel Kassi,
Nel Kassi te débarqué là, yo t'a tande Nel Kassi. Moi crois que c'est après, yo fin tande Nel Kassi, yo al tande ancien sénateur Don Kato. On al tande déclaration sénateur Don Kato dans micro journaliste après yo fin auditionné, il fin joindre invitation juge Walter Voltaire pour qu'avin dit qui ça connaît dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, parce que nous t'attendons Don Kato te dit Jovenel Moïse c'est dernier 10 novembre l'a passé dans pays d'Haïti. Vraiment vrai, Jovenel Moïse passé dernier 10 novembre nek sa yo sacrifié, yo crabiné, yo touyé, yo maspiné président Jovenel Moïse. On a attendé n'a quitté avec vidéo ça côté on va regarder ancien sénateur Antonio Chiami dit Don Kato qui t'a répondu question journaliste après lui fin répondre invitation juge Walter Voltaire. Lui fait connait grand pi bon ka fait politique avec dossier sous réseaux sociaux. Lui dit qui était juge a fait travail li, c'est juge là qui gen pour dit qui ça bagaille, c'est juge là qui pour juge là relé plusieurs moun pour ka connait qui ça bagaille pour connait qui Jean président Jovenel Moïse mouri. Moi moun m'a tande pour juge Walter Voltaire tande dans dossier ça c'est PM Ariel Henry pour connaître qui rapport qui lien li gagné avec nèg sa qui c'est Joseph Félix Badio qui te venu na kayli et qui te mandé PM Ariel Henry pour aider le sauver nda remé pour juge là tendez PM Ariel Henry on a tendez donc Kato qui t'a répondre question journaliste n'allez rendez-vous dans prochaine émission pas hésiter like nous abonner avec channel là qui c'est production 69 on tendez partager vidéo ça fait les joindre notre famille ou notre ami. Bon, faut que peuple continue à faire brigade dans tête à tête avec la police pour la paix retourner dans quartier populaire, pour la paix retourner dans famille pour moun yo vivre en paix la caillou. De facto, même bagaille yo nul, yo pa utile veyan rien, c'est tête qui a bien. Y a bien tête yo et bien bien passé. Et puis il a dit, pas un merdel. On y a bien pour inviter, s'il vous plaît, monsieur, pas ma charara. Pas ma charara, venir avec avocat nous pour contre nous, pour ne pas la juge nous. Renforcer l'institution la caille. C'est pas rara qu'on va le faire nous. Merci beaucoup, la presse. Il y a un grand jour pour nous. La justice terrelé nous dans le dossier Jovenel là pour nous dire qui ça nous connaît. Et moi-même, avec tout cœur, avec tout le monde, qui sont les cafés de dossier qui ont dit que c'est sous l'usage de la fête? Non, on a dit qu'on voulait prendre un dossier pour faire politique. Donc, les institutions eux-mêmes, ils ont fait travail. Je pense que nous-mêmes, comme nous qui sommes dans l'État, il faut que nous toujours mettions nous disponibles et disposés pour nous capables de répondre. C'est ça que je dis toujours, je suis campé dans le pays, là, je suis dans le pays, et chaque fois, il y a besoin. Présence moi devant la justice, je vais toujours mettre disponible parce que c'est nous pour renforcer l'institution pays. Vous satisfait l'audition? C'était juste une invitation et nous sommes passés. Et dans l'invitation, nous connaissons ça, c'est secret. Mais je pense que pour moi qui a fait jugement sur les réseaux, je vais le dire finir un jour. Don Kato, c'était éternel opposant à ce président de Jovenel Moïse assassiné. Mais il y a des gens qui nous dit, mais qui ça, Don Kato, qui pourrait apporter ce bon, le fait que tout le monde a dit, telle date, ça qui nous a dit, ça qui nous a dit ceci, Paolo, sorti de tous côtés. Donc nous-mêmes, nous là pour nous renforcer la justice pays. Chaque fois, il y a besoin. Parole qui connaît qui ça nous pensait, qui ça nous. Si nous te disons parole, qui ça parole la vle dit, nous avons toujours mis nous disponibles. Parce que nous n'avons pas le jugement fait sur les autres. Il faut que tout le monde fasse même bagala. Et nous ne pas mener un bon rara. Nous venons avec avocat. Et puis fini. Son choix. Mais son choix. Pour qui sont mon avis devant justice ou après un bon rara pour venir par le juge la pression en fait. Et vous venez avec les pressions, vous venez. Est-ce que nous devons juge la rue, le fait que des déclarations, t'as capable de déplacer pour la faire. Son invitation et le secret. Son invitation et pas de droit, mais on se dit que ce n'est pas avoir des déclarations. Non, mais c'est clair. Nous avons toujours
Mais est-ce que vous pouvez estimer que c'est des excès de langage ou sinon? Du tout, parce que son réseau mafia qui a coupé vidéo, blague sur net là. Mais c'est pour déclarer ce que vous je ne regrette déclaration, mais c'est mesuré. Est-ce que vous avez vu de votre et n'a toujours été disponible pour autant de fois que vous besoin. Est-ce que vous pensez que vous avez bon, insiste. Dans l'intervalle. Moi-même là pour me renforcer justice pays. Dans l'intervalle, il y a la justice américaine qui condamne à lui, il ne suspecte pas déjà et ça dépend. Plus et lumière qu'a fait ce dossier ça, c'est plus la bonne pour le pays, c'est plus la bonne pour la nation. Et moins tout a gagné. Nous avons utilisé ça pour faire politique. Pour commencer, président de la commission affaires sociales, quand les États-Unis sectionnés Laurent Lamothe, 60 millions de dollars dans le Pétro-Caribéen. On attend qu'on te prenne la peine, ça veut dire ça. Bon, il faut chercher ce cob-là. Il y a un petit cob dehors toujours. Vous pensez que c'est ça? Il y a un petit cob dehors toujours. Mais la démarche en soi. Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage, Négio, c'est de réaliser ce problème-là. On y a, est-ce que nous avons récupéré ça ou le mettre dehors, nous ne connaissons pas. Mais il y a un petit bail de jour dehors. Donc, il y a un petit bail de jour. Mais nous, la mode, vous épiez, il dit. Ah, monsieur, la mode, Dieu dit oui. Est-ce que le sénateur Kato est satisfait de nous, disons, de travail, il fait n'importe quoi? Bon, nous, le plus gros travail nous fait, c'est que nous légiférer, nous contrôler. C'est ça qui est la principale mission, nous. C'est ça qui est principal. Et dans l'attribution, nous légiférer, nous contrôler. Et si nous ne contrôler pas, ça n'est qu'avec grave, parce que la mafia lui-même l'a veillé. C'est quoi le point que tu as senti que le secrétaire de Caribe a dit maintenant, avec section, ça qui est arrivé dans la boîte là, il y a des gens qui ont fait des coups de tête dans les gens, nous avons fait des coups de tête pour mettre des coups là. Oui, mais chanter, me déchanter dans cette époque. Chaque monde est gombé, il y a des chanter plutôt. Est-ce que vous pensez et puis, dans la commission tout et commission spéciale que le Sénat a formée. Vous pensez que l'opportunité est capable de saisir le besoin? Bon, faut que le réveiller parce que c'est ça qui fait le peuple a tout coup de balle ça dans la vie. C'est parce que le peuple a osé demander côté comme le Caribe. Donc, il a fait nous payer pour nous qu'il y ait le pouvoir. Je dis à me penser que le peuple est assez intelligent pour le connaître. Faut que le réveiller actif parce que. Flemon est ça au bon bout nous en pays. Il y a bon bout nous. Bon, il faut que le peuple continue à faire brigade dans tête à tête avec la police pour la paix retourner dans le quartier populaire, pour la paix retourner dans la famille, pour que nous vivions en paix la caillou. De facto, même bagaille, nil, il n'y a pas utilisé rien, c'est tête qui a bien. Il y a bien tête et il a bien passé. Et puis il a dit pas un merdel. Vous êtes en devant nos cabinets d'instruction, ce que nous-mêmes avons fait. Ouais. Donc. Et nous pouvons gagner l'autre invitation. Donc, nous avons l'autre invitation. Sauf que Gemma Mbapka dit non, nous connaissons principalement déjà. L'instruction est secrète. Donc, nous faisons tout ça possible pour noter là, jeudi. Sans bruit, sans rien. On sait mettre qu'elle vient. D'accord. Par rapport avec l'événement, ça est capable de permettre environnement, pays, il est capable plus ou moins renforcer pour faire face à question ça. Et bien tout, toute qualité politique, il n'y a pas appliqué avec projet qui a détruit l'environnement. Et tout ça a fait pays a vu dans une situation très difficile, côté environnement, il est de plus en plus vulnérable, et qui fait que ça qui s'est passé 3 à 4, 5 juin, c'est résultat absence politique qui n'a pas gagné pour protéger l'environnement, c'est résultat toute qualité politique à projet qui a appliqué, qui a détruit l'environnement, qui fait la population plus vulnérable par rapport à phénomène naturel qui a transformé en catastrophe. Caraïbe FM 6h23, nous retournons sur l'information qui est tombée bien bon matin. Hein, terre qui tremblait dans plusieurs départements, Jérémy, à Kokai. Mais nous arrivons, établi contact avec l'ingénieur Claude Prepti, principal, alors, directeur général bureau de mines et énergie, qui est en direct avec nous pour plus d'informations. Ingénieur Prepti, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde, Captain de Radio à matin. C'est un plaisir pour nous informer.
Oui, qui ça information yo ye correspondant nous yo dans Grandans dans Okaï dit nous t'a tremblé d'ailleurs Frankel Imaginaire dans Jérémy après essayer vérifier pour nous puisque les dit information que fait quoi t'a gagné Okaï qui tombé dans zone Sainte-Hélène nous même dans niveau bureau Minak Energy qui ça nous gagne comme données. Bon, d'après réseau Haïti CIS que nous consultons matin, il y a une secousse de magnitude 5.5 qui fait à 5h11 matin et il fait en profondeur de 9 km et puis cet plan situé à peu près 5 km au nord de Abricot et à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Jérémy. Donc, c'est information ça que j'ai. Et tout simplement, et dimanche, les grands secousses qui étaient modérées, parce que 5.5 là modéré, c'est pas extraordinaire, mais dimanche, vers 4h06 du matin, donc presque à même l'heure, il y a une onde qui était faite, mais de magnitude 4.2, il était plus faible. Donc, il était fait à peu près à 7 km de profondeur, et il était situé encore entre Abricot et Jérémy. Donc, ce matin, il est situé à peu près à 5 km. De ça qui passe samedi, donc c'est passé la même zone. Hein? Probablement c'est le même côté que le tremblement de terre fait. Mais ça a plus haut, c'est pas en réplique, c'est probablement l'autre secousse qui fait. Parce que la première c'était 4.2 et maintenant c'était 5.5. Donc c'est l'information que nous avons. Mais maintenant, les gars, 5.5 là, les modérés, on a senti tout en zone Jérémy, on est beaucoup plus près de Abricot que Jérémy, mais on a senti toute grande là et on est capable même de sentir jusqu'au caille. Donc maintenant pour dégâts, bon ça c'est protection civile qui a dit exactement et ça qui passe avec correspondant de bagage information sur dégâts sur si il y a un monde qui mourit. Donc même nous confirmer que alors qui est dans un faillot qui a dégagé là puisque au dimanche c'est gagné un yon qui c'est 4.2 qui faille qui a dégagé là. Bon, depuis le tremblement de terre 14 août 2021, nous identifions une faille dans la mer, une grande faille que nous avons les failles presqu'île du nord, presqu'île du sud, grande dans SNIP. Et faille ça, la baille secousse depuis 14 août 2021 jusqu'au 31 mai. Et nous avons quelqu'un secousse toujours, plus que 1000 tremblements de terre, 1183 tremblements de terre qui fait sous taille ça pendant de 14 août 2021 jusqu'à 31 mai 2022. Et dimanche encore, les fêtes. Et Jodia, il fait encore. Donc, c'est dans une zone ça qui est une faille, qui sortit de toute zone grande d'Islande, il est parcouru toute côte nord, presque du sud là. Donc, c'est faille ça qui est active, qui peut être activée par le tremblement de terre 14 août 2021. Donc, c'est pas une seule faille que lié, c'est tout un réseau de failles. Donc, on a l'impression que c'est une faille ça au Cap-Boué. Donc, en tout cas, difficile pour dire que c'est une telle faille qui bat le tremblement de terre, parce que, faut faire un peu l'étude pour qu'on ait exactement ce qui s'est passé. Même capable de dire que c'est un lan mec lié. Donc 5.5 là, bon, il n'est pas suffisamment fort, mais s'il était 6, s'il était 7, il était capable de provoquer un tsunami. Donc heureusement pour nous, il n'est pas dans le niveau ça. Même de toujours craindre que zone ça, il est capable de battre un tremblement de terre parce qu'il est réactivé depuis 14 août 2021. Activé et à plusieurs reprises gagné un tremblement de terre et c'est toujours gros panique mais il y a un slogan où nous-mêmes dans niveau direction protection mine et énergie c'est pareil pour ne parer puisque faut que nous habituer faut que nous apprenne vivre avec et, avec ça. Oui, c'est pareil pour nous parler, puisque nous dit que y a un risque de tsunami dans la zone, là, puisque faille, là, c'est un amèque lié. Je crois que Kodomar, de Semana, fait un peu de travail dans la zone, là. Donc, il a installé des panneaux, il y a une équipe qui mobilisait, protection civile, Jérémy, mobilisé, il est au courant. Donc, il y a des travaux qui fait, il y a des simulations qui fait, le bureau. Donc, maintenant, pas qu'il y a suffisamment de bagailles qui fait pour que nous informer la population, mais il y a une ONG dans la zone, dans Gaul, qui l'a, qui a informé la population, donc il y a un travail de sensibilisation. Donc, il y a un travail qui est fait quand même, mais qui n'est pas suffisant. Mais depuis presque deux ans, on a tiré sur notre d'alarme. D'alarme, nous dit que bon, zone Jérémy, hein, son zone du Mont Faye la dernière, donc qui est activée depuis 14 août 2021. Donc, fais attention. Nous prenons un petit secousse sismique, mais nous ne pourrons jamais prendre un gros. C'est pour la première fois peut-être que nous arrivons à magnitude ça, 5.5. Donc, nous avons espéré que pas de plus énergie qu'à libérer, sinon la plus grave, parce que la est capable de provoquer un tsunami et capable de gagner des maisons cap effondrer. Donc c'est pareil pour Cap-Haïtien.
Bon, c'est slogan ça, hein. C'est pas répondre pareil, nous ne sommes pas capables de connaître. Bon, matin, l'heure est moins à 6h, donc le monde est fait à 5h, donc on n'est pas au courant. Bon, je cherche mal, il me faut une information ça. Donc, le bagage est fait, ou pas connaître. Donc, c'est le fait ou connaître, des gars fait, monde paniqué. Mais maintenant, ou comme on connaît, comme il n'est pas prévisible. Donc, c'est pas répondre pareil avant, c'est avant. Donc, nous avons 2 ans pour nous préparer nos zones Jérémie, parce que nous toujours enregistrer ce caution. Dans chaque bulletin que nous remettons chaque mois, nous toujours dit que ça qui passe, nous toujours dit la grandeur de la même quantité de complémentaires qu'il fait. Donc, pour le mois de mai, nous avons 11 complémentaires qui fait la grandeur. Et puis, le mois d'avril, nous avons peut-être 13 ou 14. Donc, chaque mois, régulièrement, nous toujours dit que quand il y a des complémentaires qui fait la zone grande là, dans la mer. Donc, de façon, pour nous dire autorité qui fait plein de contingences, qui a différentes communes, qui s'est appris faire pour préparer. Donc, bon, il n'y a pas d'importance à l'information sur le canal Bayo. Mais pour ça, nos Bayo, ce n'est pas juste pour nos Bayo, c'est dire attention. Donc, terre a tremblé dans telle zone, donc, on nous prépare. Donc, c'est population pour nous éduquer, c'est plein de contingences. C'est mettre faire tout le monde, toute institution qui est en commun, mettre ensemble pour nous préparer, nous, pour si pas bon bagage qui est plus fort. Yeah, oui, parce que jusqu'à présent, donc, la science n'est pas arrivée capable dire qu'il est, qu'il joue à bien tremblement de terre. Non, c'est sûr, parce que nous, dimanche matin, il fait aux environs de 4h du matin, et dimanche. Donc, parce que, à même l'heure, 11 jours après, il y a une 5.5. Donc, pas personne qui était prévoit qu'après 4.2, tu parles de 5.5, mais même tu as tellement ce qu'il y a des répliques. Mais hier, je me consultais, pas de réplique du tout de ça qui t'est passé dimanche là. Puis matin là, tu as de 5.5, le plus que ça qui t'est passé dimanche là. Donc, comportement Monio, ingénieur Prepti, c'est continuer, construire selon Normio. Et puis ça, après ça, c'est comportement de gagner un moment tremblement de terre là, qui peut bon, être important. Bon, premier bagage là, c'est construction. C'est parce qu'on n'a pas d'anciennes constructions, de grandes constructions qui sont faites. Donc là, on va pas prendre pour faire. Donc, c'est un moyen pour nous renforcer, mais toute nouvelle construction qu'on a faite, il faut que la mairie prenne disposition pour que tout nouveau lotissement, toute nouvelle construction, elle est faite aux normes, parce que son zone est à risque sismique. Maintenant, le nom final est sous construction, parce que le tremblement de terre, c'est caillou qui a effondré, qui a tombé. Maintenant, le monde qui est dans caillou, donc, que tremblement de terre fait la nuit, que fait la journée, que le monde n'a pas la mer, donc, il y a un comportement pour le gain. C'est pas même bagarre là, c'est de la Calais, c'est le bord de la mer, ben c'est dans la rue. Donc, à chaque fois, grand comportement, donc, il faut que nous éduquions la population pour qu'on ait qui réflexe pour le faire, pour ne pas paniquer, parce que dans la panique, là, les gens doivent tuer tête li, la courir et puis bloquer tomber sur tête li. Donc, bon, éducation pour qu'ils fassent, et je pense que l'éducation, faut qu'ils fassent, faut commencer dans l'école, de petit monde en petit. Faut commencer à dire que, attention, la vie en zone à risque sismique, mais ça le doit faire, mes comportements pour le gain, mes réflexes pour le gain, si tu as tremblé sérieusement, donc si la caille, si la rue, si le bord de la mer, si un tsunami, donc tout le bagage, ça, son éducation que lui. Ça prend temps. Ce n'est pas pendant que le moment est arrivé pour dire que mais ça, c'est doit faire. Donc c'est sûr que mon homme peut agir émotionnellement. Maintenant, pour maîtriser l'émotion, parce que c'est depuis l'école, si mon homme pitié l'apprendre et puis le grandir avec lui dans l'université, l'adulte, eh bien, en dedans lui-même, il connaît que depuis sa fête, il y a un réflexe, il y a une façon pour le comporter. Donc, ça prend un peu de temps. Mais il faut que nous commençons à rouler. Mais qui, genre, par exemple, au monde de comporter, on dit au tremblement de terre, t'as ça qui passait là, dans Jérémie, côté tout le monde affolé, qui comportement on doit gagner, ou même qui est dans l'espace, dans le caille, par exemple et... Bon, comportement, bon, là, très difficile, côté mien, pour me dire chaque monde qui comporte, on doit gagner, parce que tout le monde parle dans la même position. Ou bien dans la caille, ou bien dans la caille voisin, ou bien dans la bain dans la mer, ou bien dans la rue. Donc, là, très difficile pour dire, mais comportement pour gagner, parce que chaque côté, chaque position qu'on y est, une attitude différente. Donc, comportement, c'est pas le tremblement de terre fait pour qu'on qui ça dit, c'est avant. C'est le tout bagaille calme, pas de tremblement de terre du tout. Le comportement, on imagine, on fait des scénarios, on fait des exercices de simulation à l'école. Bon, dis-moi, dépendamment de côté qu'on y est, mais comportement pour gagner.
Donc si on a un caille qui a dormi, eh bien, il faut aménager le caille là de manière à ce que, qui soit en l'air qui a tombé sur vous, il faut qu'on ait un système de fait, qui porte quoi pour prendre pour courir, qui côté quoi pour mettre quoi dans le caille là, si c'est bon là, mais quoi. Donc, on va qu'on ait un système de monter à plus que 6, plus que 7, donc capable de tsunami, donc pas arrêter bon la mer, c'est courir monter dans les hauteurs. C'est là où il y a. Donc, pas courir en train dans le caille, parce que le caille est capable de tomber sur vous, c'est abriter un côté dans la rue, dans le tableau de passé. Et puis, donc, à chaque fois, bon comportement. Donc, consigne, il y a un pile, et il va dépendre de qui côté que le tableau de passé. Oui, Lydie Alexandre rejoint nous. Lydie, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, tout le monde. Et donc, ingénieur Préptime, d'après le mando, est-ce que simulation, yo, qui secteur tu as supposé responsable yo? Est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale ou bien le bureau des ministres de l'énergie tu as supposé de concert avec le ministère là? Mettez une équipe sous pied pour dans l'école yo chaque semaine ou bien chaque vendredi bail des formations à qui attitude qui comportement on ti monde ta supposé gagner ou bien yon parent quel que soit mon nan l'œil face à un tremblement de terre ou bien yon catastrophe naturelle. Bon, son thème affaire de comportement de risque sismique, son thème qui est transversal, c'est pas une seule institution qui a occupé de ça. Donc gagner institution qui est en amont tant qu'au bureau des mines en amont on est là pour nous surveiller qui là que ça fait qui là que bulletin a sorti pour informer population et la faire surveillance sismique qui est en amont. Maintenant gagner institution qui est en aval qui est là pour porter secours pour bah réponse à lui-même. Bon, il y a une institution, par exemple, internationale, qui est là, qui a aidé le bureau des mines, fait cartographie, zone, qui faille, etc. Donc, chaque institution qui a un rôle par eux. Bon, c'est que, dans le cas, ça, bon, bureau des mines, il y a un rôle par eux. C'est aménager le réseau de surveillance pour gagner information sur l'activité sismique dans la zone. Donc, ça, on fait. Maintenant, pour réponse là, c'est pas le bureau des mines qui va répondre là, c'est protection civile, parce qu'ils ont une unité de simulation. Donc, il a fait régulièrement une simulation. Donc, il y a une ONGO qui est capable de faire une simulation. Donc, dernièrement, au Cap-Haïtien, il y a une simulation pour commémoration 7-1842. C'est GeoHazard International qui fait en partenariat avec Protection Civile. Protection Civile fait qu'on a 19 mai dans une zone en rouge pour si que tu as contre le monde au Cap. Pour un comportement pour rien. Donc, Protection Civile occupe de l'affaire d'exercice de simulation. Maintenant, dis-le à l'école yo, que mes comportements pour un bon programme, donc ça c'est en partenariat Protection Civile et ministère d'Éducation nationale. Parce que c'est ministère d'Éducation qui contrôle toute l'école, qui connaît, qui faut gagner un sentiment et sentiment tout le monde qui est dans le ministère. Donc il faut un bon programme qui sortit dans le ministère pour l'école yo d'abord. Construction de l'école, il faut que je renomme parce que je connais que le ministère a une direction de construction. Donc il faut que je veille à ce que l'environnement côté que mettre l'école, eh bien, environnement safe. Ensuite, qui comportement pour le gagner. Mais comme ministère lui-même n'a pas gagné compétence pour le bail information, donc l'a adjoint à protection civile, l'a adjoint à bureau des mines et toutes les institutions qui sont capables de faire ce travail là. Mais ce travail d'équipe que la pire, ce n'est pas une grande institution qui a possibilité. Pas oublier que. Ministère de l'Intérieur, c'est le même qui a géré le système national de gestion des risques et des désastres. Donc, tout programme, c'est le ministère accueillé. Donc, maintenant, si vous avez une activité que vous voulez faire, il y a invité institution partenaire qui est capable de collaborer avec vous et puis à mettre sur pied avec localité zone, avec mairie zone, les gens qui sont dans la zone, et puis à monter un programme pour nous faire sensibilisation, pour que les gens soient éduqués de la commune. Et on souvent parlé de Cap-Haïtien qui c'est en l'autre zone à risque sismique, ingénieur Prepti. Oui, bien sûr que Cap-Haïtien sont zone. Bon, pendant que nous avons un jeune Cap-Haïtien, puis nous avons une autre zone Cap-Haïtien. Donc, c'est ça comme nous qui sommes là qui est tout à fait imprévisible. L'on parle de Cap-Haïtien, côté, on dit que zone ça est capable de battre le monde. Tant qu'au 12 janvier 2010, personne ne prévoit que tu as un bagage dans la zone Port-au-Prince, dans la zone Néogan. Tout le monde était focalisé sur le Cap-Haïtien. Même personnellement, je pensais que le Cap-Haïtien t'a frappé avant. Bon, jusqu'à présent, 12 ans après, le Cap-Haïtien n'a pas frappé. La pointe se couche petit. Et voilà que Zone Jérémie, lui-même, il a frappé. 5.5. Mais ça va empêcher que l'énergie continue à accumuler dans la zone Cap-Haïtien. Parce que chaque année, chaque jour qui passe, pas gagner un tremblement de terre au côté, si il y a une énergie qui a accumulé dans ce sol-là, chaque jour qui passe, son énergie en plus. Donc, magnitude n'a pas augmenté.
Donc, faut que, même si ça arrive dans la zone Jérémy, il faut que nous toujours gagnions nos rivières sur le Grand Nord. Pas seulement Cap-Haïtien, parce que 7 142, il te met plus accent sur Cap-Haïtien, bien que l'épicentre est localisé au large du Cap-Haïtien. Mais qu'on y a là, en 2023, c'est pas Cap-Haïtien seulement pour nous, hein. C'est 3 départements qui en ont là, c'est Nord-Ouest, c'est Nord et Nord-Est. Parce que si il y a un tremblement de terre de même magnitude, ça qui passe le 7 142, c'est pas le Cap-Haïtien seulement qui a frappé. C'est sûr que zone qui a plus frappé à ces zones côté que épicentre l'a localisé, mais toute zone Nord-Ouest, Port-de-Paix, Lille du Nord, Cap-Haïtien, Fort Liberté, Wanamain, toute zone Nord là, la prend, et même ville qui Saint-Domingue la prend. Nous avec le 18 mai, il y a un tremblement de terre de 4.9 qui fait dans zone Puerto-Plata, juste Puerto-Plata, qui est à 70 km de Santiago. Et nous ressentons dans la zone Wanamet, nous ressentons dans la zone Fort Liberté, et même au Cap-Haïtien. Donc ça va dépendre de magnitude. Là. Donc il y a un tremblement de terre qui fait dans le nord, pareil à ça qui est passé le 7 mai 1942, ça fait un pile dégâts dans le nord si vraiment magnitude la 8, parce que ce sont pas qui très long, c'est un mec lié. Une fois que zone a fini secouer, le tremblement de terre a fini fait, quand un pile cas a tombé, et 10-15 minutes plus tard, bon, gros vague, il est capable d'engendrer une gros vague de tsunami, qui va déferler sous le nord. Donc, Semana, Kodoma, mettait des panneaux indicatifs qui dit que, bon, son zone a risque de tsunami. Donc, si tu es à trembler, mon bon en mer, parer tes bon en mer, monter dans les hauteurs, et puis, panneau indiquer qui route pour faire. Donc, c'est sûr que là, très difficile au Cap-Haïtien parce que tu es étroit, bon, paquet de taxi-moto. Tout le monde prend taxi-moto pour monter plus vite le monde. Mais ça, collision pour le fait, c'est la pagaille. Donc, son et c'est des anciennes maisons également. Pardon? C'est des anciennes maisons. C'est des anciennes maisons parce que ça fait longtemps que 1842, t'es, moitié population était périe. Un paquet de cas était écrasé. Et pratique qu'on y a là, c'est que ancienne maison ça qui était en bois, qui était en maçonnerie, bien monio construit sous ancienne maison ça y a mettez yon deux étages, sans que yon pas vraiment à la fondation pour connaître si fondation ça capable de supporter autant d'étages. Donc situation très grave dans zone nord là. Donc je crois que mairie a gagné pile bagarre pour faire toute nouvelle construction, faut que fait au nom tout nouveau lotissement qu'a fait, il faut que appliquer code de construction qui existait que TPT s'est mis depuis 2011 2012. Donc c'est appliqué, et puis moi individuellement sont mon capable renforcer caillou, renforcer, et puis qu'on plan pour faire la caillou sous dans la rue pour qu'on qui j'ai pour comporter par rapport à ce coussin. Voilà, merci un peu l'ingénieur Claude Prepsi. D'accord, c'est ton plaisir. Voilà, ingénieur géologue Claude Prepti qui était en direct avec nous matin pour te parler non de, en tout cas, dernière information, les gagnants concernant tremblement des terres ça qui frappait le département Gradan, ça qui est dans le sud pays 5.5, c'est magnitude là et ça passait à 5h11 et puis ça là les trouver à 5 km dans le nord, commune Abricot, selon ça, ingénieur Claude Prepti, fait nous connaître. Après aller, Jérémy encore avec Frankel Maginaire, qui lui-même a viré pour nous dans la ville pour capable constater. Frankel? Oui, directeur, une fois de plus, bonjour, bon courage, la carte travail qui n'a pas mené. Nous, en tant que Caraïbes de la radio, l'objectif là, c'est informer à temps. J'ai été par instruction, c'est que nous, exactement, l'Empire de Bidonville, du même quartier qui est plus populaire, à qui vient plus de monde qui vivent là-dedans, c'est Sainte-Hélène. Effectivement, nous, avec un témoin là, côté que foule là, les compacts, nous pas même qu'à pénétrer, côté que j'ai un caille qui s'est effondré, déjà, j'ai un témoin qui a pénétré en gros pour nous par rapport à quantité de monde qui mourait. Monsieur Watson Guerrier, vous êtes dans la zone là. Dis-nous non, comment ça est? Parlez-nous de tremblement de terre. Est-ce que il y a des gens qui mourent? Confirmez pour nous. Et il y a trois personnes qui mourent. Trois personnes qui ont un caille, des étages qui sont sur l'autre caille. Et qui sont en bas. Il y a des gens qui sont frappés. Mais trois personnes qui ont mouru. Il y a des gens qui ont été blessés déjà. Et nous pouvons déblayer parce que chaque caille a tombé, nous pouvons pas déblayer. Mais il y a une dame qui est le Miklène et puis Jerry, et avec un petit pour mon bar, par contre, non,
OK? Parce que c'est trois monde qui mourent, mais il y a l'autre qui frappe qui allait l'hôpital. Vous comprenez? On a les têtes là. Mais c'est là les samedi jeudi alias Chawa. Vous comprenez? Chawa sont là, tout le monde connaît au nom de Dieu. Parce que combien là et ça c'est un message d'urgence. Ça t'a de cette bon et bon nous parler sans parler parce que raison les gens catastrophes ça qui passé et l'État pas prendre responsabilité pour ça pour fêter pour le fait parce que je dis à la nous même et cap vivre dans zone défavorisée yo bon nous ayons pu négliger nous pour les envoyer sous nous ça veut dire que je dis à la extrêmement important pour gagner intervention qui fait dans zone là et pour nous garder ensemble qui s'est cassé parce que et je dis là je dis à chaque niveau dans zone monde faut télémac là et bon et le 17 c'est avant le fait faut télémac c'est une photo et qui fait en pile monde pas connu bon nous venons sorti en deuil c'est nous gain deux membres comité qui s'allier la demande pour les ça intervenir normalement et pour venir garder comment ça au café. Est-ce que ça c'est tel mécanique pour qu'il vienne déblayer, pour qu'il tel mécanique qui a supposé venir, mais pour le cas qui devant qui pas qu'à mon ou appétit à suivre, qui j'en lui fait certifier que mon yon mourit si Kailan pour qu'on déblaye? Parce que j'ai un cas, il y a deux cas sous devant Kailan. Qui a la vie de ce qu'il y a des étages qui tombent sur l'autre cas qui sont en balle. Ça veut dire que même si tu as un tel mécanique qui vient, il est extrêmement difficile. C'est avec Marie, on a regardé comment nous avons déblayé. On va prendre pour nous regarder comment nous avons équilibré nous en bas de béton. Il t'a parlé avec nous, c'est Gary Watson. On va confirmer trois morts. Trois morts, pas plus trois morts. Avec l'autre monde qui frappe qui l'hôpital, nous soutenons l'hôpital. Ok? Est-ce que tu imagines? Allô, Frugel? Maintenant, nous parler avec ces citoyens. Donc, lui-même, à qui tu lui parler? Et puis, est-ce que voilà, les trois mouns qui sont morts, est-ce que les cadavres, ils ont mis des questions déjà? Ils ont mis des questions à vous, les derniers. Oui non, est-ce que trois moun sa yo les dit qui mouri yo, est-ce que c'est des moun que yo wè cadavre yo, yo retiré en bas des combes toujours ou bien des moun que yo imaginé qui était dans Kaela que yo pas wè. Non, ça veut dire trois moun sa yo, ça veut dire moun sa yo c'est nous pour les qui dans Kaela. Nous wè yo même, c'est que notre moun dans Kaela qui pas mouri. Vous comprenez? Yo pas mouri, moun qui pas mouri yo nous c'est moyen nous retiré yo en bas des combes là, mais l'autre moun qui mouri c'est dans le béton. On va dans la qui tombe et sous nous qui tue. On va prendre. Mais nous pas ouais cadavre jusqu'à présent. Nous pourquoi ouais cadavre? Oui, regardez cadavre. Oui, cadavre. On avait dit que parti, on parti dans le corps de yo, parti dans le corps yo en bas de comme là. On va prendre. Nous sommes habitants dans la zone là, dans quartier. Oui, on va dire son leader communautaire qui dans zone là. On va nous même nous parce que Gary Watson de Donc ça passe exactement qui côté dans Jérémy hein? Et deuxième quartier non c'est Hélène. Donc c'est seulement Kaïsa qui tombé pas gagné encore. Quel autre Kaï qui ancienne maison qui vit de l'ensemble de Jérémy au moins sous derrière ancienne maison qui tombé mais pas gagné monde qui frappe. Mais c'est celle dans la zone ça, il y a un monde qui frappe. L'hôpital a eu quelqu'un qui frappe dans le poète, mais qui mourit, pas un monde. Par contre, pour son équilibre, on va prendre la zone qui est aussi, mais la sainte ville n'a pas gagné. Ok. Et Frekel, ou pourquoi remarquer l'autorité protection civile? Voilà. Et le guerrier n'a pas avancé. Sous place. Allô, guerrier. Est-ce que vous remarquez l'autorité de protection civile? Ils ne sont pas sous place eux-mêmes? Effectivement, c'est la police qui mobilise GTA, Mena, lui-même, depuis des tours. Monsieur, son actif en termes d'intervention. Même j'ai tout seul, j'étais capable de faire. Ou du moins, elle était capable de faire. C'est le Mena, lui, là, qui nous a mobilisé. Mais après, santé publique, à un certain niveau, vous comprenez, nous ne sommes pas capables d'aller 50 par là, mais il faut qu'il y ait plus de bras armés. En termes de prestataires de soins, nous manquons de médecins,
Il y a un peu de monde qui a des eaux cassées. Grand monde tout. Pour ça, nous avons nous évacuer des zones qui ont proche là pour nous dans l'hôpital là. C'est ça que message là a lancé pour que quel que soit le secteur qu'il y a qui habilite l'ambassade soin, pour que tu apportes et bourré du côté de Saint-Antoine. À essayer la affluence victime pour aller. Mais il faut que nous nous tout. Il y a un pile qui est déjà assis sous grand qui s'est ancienne maison et tombée.